Le prêtre et l'économiste, c'est un livre que l'abbé Éric de Boeckelaer, qui officie à Liège, et moi avons commis. C'est un livre de dialogue qui porte sur les grands problèmes sociétaux auxquels nos économies sont confrontées. C'est une vue croisée, celle d'un prêtre catholique, celle d'un économiste, et qui aborde de manière tout à fait ouverte, sans tabou, les grands défis, qu'ils soient financiers, qu'ils soient présents en matière de migration, d'alimentation. Avec sans doute un objectif, c'est de partager un message commun d'humanisme, un message qui prône le retour du culte de l'intérêt général, qui prône aussi la subordination de toute action politique au fait de penser aux futures générations. C'est un livre qui a été publié à la Renaissance du livre et qu'on espère être un témoignage d'authenticité, un témoignage de combat. En fait, nous avions déjà, il y a 10 ans, écrit un livre ensemble. À l'époque, je dirigeais la Bourse de Bruxelles et c'était un premier constat après la crise de 2008. C'était un livre qui portait plutôt sur les défis financiers. Aujourd'hui, nous avons étendu le champ de la réflexion à ce qu'on appelle les problèmes sociétaux, donc les problèmes qui vont animer les prochaines décennies dans nos communautés.